filmer le bâtiment, monsieur. Vous faites pas partie d'une section d'intervention, j'ai parfaitement le droit de vous filmer. Ah, je vous dis que vous avez pas le droit, vous avez pas le droit. Ah, mais c'est du bluff. Mais bon, c'est tout. On ne laissera pas faire. Ils peuvent tout essayer, on ira manifester. Ils voulaient nous faire taire. On ne laissera pas faire. Ils peuvent tout essayer, on ira manifester. Ils voulaient nous faire taire. On ne laissera pas faire. Ils peuvent tout essayer. On viendra manifester. Ils voulaient nous faire taire. On ne laissera pas faire. Ils peuvent tout essayer! On viendra manifester! Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, notre Constitution, qui est la règle que le peuple français s'est donnée à lui-même, j'ai donc décidé, après la délibération du Conseil des ministres du 10 mai, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Il s'agit du texte issu des travaux de la Commission des affaires sociales, modifié par les amendements transmis au Président de la République. Mesdames et Messieurs, la Constitution de la Ve République permet d'avancer. À ceux qui ne sont pas d'accord avec le texte que nous avons présenté, de présenter une motion de censure. C'est ainsi que l'on est au clair devant les Français. Le gouvernement l'est avec fierté, avec courage, parce que nous agissons pour l'intérêt des Français. Merci, Monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 15h15 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Prochaine séance, demain à 15h. Question au gouvernement. Vote solennel sur le projet de loi Égalité et citoyenneté. La séance est levée.
Ça fait la troisième fois en quelques mois que le gouvernement utilise le 49-3 pour essayer de faire passer une loi dont personne ne veut. Moi, j'aurais tendance à penser que plus un gouvernement est minoritaire, plus il a besoin de mettre des policiers en la rue et de faire le 49-3 à l'Assemblée. Donc c'est une démonstration de faiblesse, ça c'est sûr, sauf que c'est une démonstration de faiblesse qui est un déni de démocratie. C'est juste insupportable. Donc on a manifesté cet après-midi dans des conditions plus que difficiles. Moi, pour vous dire, en tant qu'élu, comme tout le monde, là au moins il y a égalité, on est palpé, on est fouillé. Vous voyez, j'ai pas spécialement. Donc je pense que moi je veux bien entendre parler de sécurité, mais j'ai surtout l'impression qu'on parle d'intimidation vis-à-vis des manifestants. Et donc là, exactement comme la dernière fois, j'étais venu aussi, je suis venu dire que les citoyens, on n'est pas d'accord, quoi. Voilà, protester. Ça me semble être démocratique de venir ici.
Vous savez, nous, on a parlé de, pour un peu caractériser ce qui se passait dans la situation, de régime austéritaire. C'est-à-dire, c'est le régime qui impose l'austérité. Et comme ça ne passe pas dans la population, bah vous êtes obligé toujours de recourir de plus en plus à des mesures autoritaires. C'est exactement ce qu'on voit. Bon, la manière d'utiliser la police, avec des maintenant une habitude où, d'avoir des manifestations complètement parquées, entourées, où les gens sont fouillés. Et puis, encore une fois, c'est pas possible de fouler comme ça des pieds l'Assemblée nationale. On a déjà un régime présidentiel. On a déjà une monarchie présidentielle et en plus maintenant on contourne la souveraineté nationale à travers le Parlement, c'est insupportable. Donc voilà, j'ai envie de dire ma colère comme tout le monde. Thank you.
Ça va gazer. Papier, s'il vous plaît. Hein. Ah non, il veut passer. Ah bah ouais. Il tape dans l'eau, mais j'avoue, c'est à vous égal au moins dans l'eau. Quoi. Pas toutes ces merdes-là de la société, je la déteste. Et les chaînes, ils suivent Internet, iPhone et les conneries comme ça. Non. Thank you.